Thank you.
Foucault. Hello, on va baisser un peu la musique, enfin là elle est quand même vachement baissée. Hop. Voilà. Hello. Hello Drake, hello Alixal, re-Alixal et re-Bauge. J'ai envie de dormir du coup, mais je peux pas, j'ai trop de jeux à faire. Ok. Bah, let's go jouer ou dormir, enfin... Mais faire avancer le public du coup. Enfin, en même temps, t'as fait une sieste, hein, si j'ai bien compris. Hello Roxane. Roxane. Oula. Le fourchage. Comment tu vas? Quoi de beau? Vous êtes en bas, donc là, je vous regarde en bas, en fait. L'appareil est là, mais le chat est ici. Hop. Puisque je n'ai pas deux écrans, je suis obligée de vous regarder sur la tablette graphique. Parce que ce soir, on commence l'aventure Stray. J'ai si hâte. J'ai absolument rien regardé. J'ai rien vu des autres streamers. Je suis pas allée sur des streams. J'ai pas regardé le trailer. J'ai pas regardé des avis sur internet. J'ai rien vu du tout. J'ai juste vu qu'on pouvait jouer à un chat. Et j'ai dit, ce jeu, je veux y jouer. Ça va bien, reprise du boulot depuis lundi. Et là, j'ai rempli les papiers pour me pax avec mon chéri. Félicitations! Vous avez prévu ça quand? Allez, let's go les impôts. Bah, ça a peut-être plus de sens que ça pour vous. Mais souvent, c'est ce qu'on dit, le pax... C'est pour les impôts. Si c'est le cas, si ça a plus de sens, désolé. Dans tous les cas, félicitations. Je suis aussi paxée avec mon chéri. Depuis 2016 maintenant. Ça remonte. Ça fait, bah ouais, ça fait 6 ans. Mm-hmm. J'ai un bout de Mirabelle coincé entre les dents, c'est en train de me saouler. Mon chéri. Apporte les papiers à la mairie demain et après il faut que la mairie nous donne un rendez-vous. Ah oui? Je sais plus comment ça s'était passé. À un moment on avait eu un rendez-vous aussi. Et littéralement je crois que ça nous avait pris 10 minutes. La meuf qui nous avait paxé, elle était trop marrante parce qu'elle nous a dit « Bon bah voilà, en fait, il n'y a rien à signer, il n'y a rien d'autre à faire. Le seul truc qui fait que pour dire que vous allez vous passer, c'est ce clic sur la souris. Donc à partir du moment où je clique sur ma souris, vous êtes paxé. Comme ça, vous pourrez savoir à peu près quand est-ce que vous l'êtes. Vous êtes prêts? Oui. » Et là, elle a cliqué sur la souris en mode « Bon bah voilà, félicitations !» On se paxe surtout parce qu'on va acheter une maison ensemble. Ok, je comprends. C'est beau, t'as bisou à Monsieur Time. Oui, bah là, Monsieur Time est parti au volet, c'est exceptionnel pour le moment. Mais oui, pareil, il nous a fait la même chose. Nous, on était là, allez, on signe où? Et le mec, bah, vous signez pas. C'est ça. On va aussi ouvrir un compte joint à l'aide. En vrai, les comptes joints, c'est pratique. Parce que tu sais ce que tu dépenses pour le foyer, tu sais ce que tu gardes comme argent pour toi. Franchement, depuis qu'on a... On a eu un compte joint très tôt. Bah, juste après le PAX, en fait. Roxane, nous, on l'a fait dans l'autre sens. On a fait tout en même temps, nous. Là, on est clairement des vrais adultes. Oui. Félicitations à vous. À toutes les deux, d'ailleurs. Faut se marier pour signer des choses, les gens. Ou faire un contrat de mariage. Mais en plus, dans le PAX, t'as deux contrats possibles aussi. T'as un truc de base et t'as un truc séparé, globalement. T'es limite vénère à ce moment-là, en mode « Oh, c'est où, là ?» C'est bon, j'ai cliqué, pas besoin de signer. Ah, d'accord.
Très bien. Ouais, nous, on était un peu en comme ça, en mode, bah du coup, il se passe quoi et tout. En plus, on s'était un peu bien habillés quand même, enfin, pas en mode hyper, hyper sorti, machin, mais on avait fait un effort pour s'habiller. Et le truc, c'est littéralement 10 minutes. Bon, très bien. Techniquement, tu signes aussi sur le Pax, mais juste sur les papiers de réparation, pas le jour même. Tout à fait. Tu signes avant ton contrat de Pax. Le Pax, bientôt, on sait pas quand, et le compte joint, c'est samedi. Ah, ok. Donc vous aurez un compte joint avant d'être paxé. Du coup. Ou alors vous y allez samedi. Enfin bref. Nous, on a, notre compte joint, on l'a ouvert sur Boursorama. C'était très simple. On en est très content. Voilà. Le premier compte joint qu'on l'a fait, on l'a fait avec une banque, je sais plus laquelle. Et franchement, si je me souvenais de laquelle c'était, et si c'était pas de la diffamation, je vous dirais de ne pas y aller. On avait assisté à un Pax genre un mois avant le nôtre, et eux, ils avaient signé en direct. On nous ment! Bah clairement, on vous a menti. Comment ils ont pu avoir le fait de faire signer? Ils connaissaient quelqu'un à la mairie? Pour ma part, je suis plus mariage pour le coup. Ah, mais je. Enfin, c'est pas du tout le même. Bah, pour moi, ça n'a pas la même signification. Mais de toute façon, t'as pas les mêmes droits, je crois, avec le mariage et avec le Pax. Parce que le mariage, t'as un truc avec la retraite. Donc, voilà. Faut se paxer avant ou après avoir fait le compte joint? Ça change rien, drague. C'est juste que si tu te paxes après, faut peut-être changer un peu le statut, comme quoi t'es pas en concubinage ou en Pax. Mais ça change rien. Pour le Pax, il y a le choix entre le régime d'indivision, en gros tout ce que vous achetez ensemble ou séparément pendant le Pax, ça appartient aux deux, ou séparation de biens, chacun pour soi. Non, mais c'est une bonne question. C'est des questions qu'on peut se poser. Mais. En vrai, ça changerait. La seule grosse différence entre le mariage et le Pax, c'est pour l'héritage en cas de décès ou accident. C'est pas que l'héritage, t'as aussi la retraite. Parce que si un des deux décède avant l'autre, avec le mariage, t'as le droit de toucher une part de retraite. Et je crois que tu l'as pas avec le Pax. Tu peux toucher une part de la retraite de ton conjoint. Et plus tu es marié longtemps, plus le pourcentage est grand sur cette part que tu peux toucher. Je crois. Vu comment on est loin de là. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, Roxane. C'est plus t'es marié longtemps, plus tu peux toucher de la moula. Bon, faut qu'il décède avant toi. Mais c'est un détail. Mais voilà, mais dans tous les cas, c'est intéressant de se marier dans tout, dans même en termes de statut civil. Nous, on a signé des papiers qui disent que si jamais on décide, c'est le paxé qui touche tout. Qui décède, c'est le paxé qui touche tout. Oui, mais ça, c'est pour les assurances. Là, je suis pas sûre que la retraite soit comprise dedans. Enfin, franchement, je mets un doute dessus. Parce que autant normalement, les trucs d'héritage ou de machin, etc., c'est les personnes liées, donc genre tes enfants ou tes frères et sœurs ou tes parents, enfin tes parents quoi, ou tes enfants, qui doivent toucher. C'était pour tous les biens. Ok. Mais la retraite, en général, c'est pas compris dedans. Mon chéri, il a 6 ans de plus que moi, il y a des chances qu'il meure avant moi. C'est un vieux, mon homme. Bien vu, Roxane. Bien vu. Donc, c'est un testament. C'est possiblement un testament. Je sais pas aussi, parce qu'il y a. Oh, c'est compliqué, hein. Et puis, pensez à tout ça au moment où tu te lis. C'est toujours une prise de tête incroyable parce que tu dis. Mais du coup, faut qu'on pense à maintenant quand est-ce qu'on va mourir et comment on va mourir. Bon, en même temps, c'est vrai, faut le faire. Hello Dorian, comment tu vas? Coucou. Hello Gwenelf.
Des bisous! Comment vous allez tous les deux? Est-ce que votre journée s'est bien passée? Ce que je disais, c'est que par rapport à d'habitude, au lieu d'avoir le chat à peu près ici, sur mon écran, qui va être mon écran de jeu, là aujourd'hui vous êtes en bas. C'est pour ça que je regarde en bas sur la tablette graphique. C'est pas que j'ai pas envie de vous parler en vous regardant dans les yeux, en mode bonsoir, comment allez-vous? Mais c'est juste que si je passe mon temps à regarder la caméra, je vous vois pas écrire. Moi j'irai reculer mon Pax à mort parce que je voulais pas me plonger là-dedans pour les détails. Je comprends. Du coup, no spoil ni backseat? Oui, no spoil ni backseat. Là, on n'est pas en mode découverte, on discute les uns avec les autres, machin, etc. Là, on va jouer et le but c'est de finir le jeu en live. Donc sur plusieurs streams, enfin plusieurs semaines quoi. Super, J-3 avant les vacances. C'est vrai que c'est bientôt tes vacances. Est-ce que tu sais, t'as décidé où t'allais? Ou alors c'est vacances à la maison, tranquille, pépouze, on prend notre temps. Ici ou sur ton perso? J'ai pas compris, Dorian. J'ai un putain de bout de Mirabelle entre les dents, ça va me saouler. Je vais devoir. Bon, vous savez quoi, ça, c'est en train de trop me saouler. Ta chaîne Twitch ou celle de la paix? Ah, ici, ici! Je vais couper la cam. Non, je vais pas couper la cam. Je vais changer de scène. Enfin, si, je vais couper la cam sur la scène. Et je vais me curer les dents. Parce que là, c'est en train de me saouler. Voilà. Ah, voilà, c'est bon. Bon, vous avez peut-être eu un petit ASMR curage dedans. Je sais pas, vous me direz. Donc ça sera sur cette chaîne. Toutes les semaines sur cette chaîne, on se donne rendez-vous pour avancer Stray sur la paix. Une semaine en Charente-Maritime et une semaine tranquille à la maison. Ouh. Bah écoute, tu vas bien profiter. En plus, là, il commence à faire un peu meilleur. Ceci dit, je sais pas. Chez nous, la semaine prochaine, il fait super moche. Donc j'espère que tu auras meilleur temps que là maintenant. Faut pas les manger, les Mirabelles, faut les mettre dans du rhum. Non mais. C'est ce conseil. Il faut boire là-haut, d'accord? Merci Roxane. Oui, alors, du coup, c'était une tarte. C'était mon gâteau d'anniversaire. Donc si, je les mange. Enfin, malheureusement, je sais pas ou pas, quoi. Je trouve ça trop bon, les Mirabelles. Peu importe la forme. C'est les meilleures prunes du monde. Roxane, elle met tout dans du rhum, de toute façon. Elle met du kebab dans du rhum, aussi. Avec les Mirabelles dans le rhum, plus de problème de Mirabelles coincées entre les dents. Ah bah oui, là, mais elles étaient cuites, mes Mirabelles, donc c'est pour ça, c'est pas compréhensible. Mais pas ton pack dans du rhum. Bah, elle peut pas le mettre, malheureusement. Elle pourra pas mettre son pack dans le rhum, mais on n'a pas de papier. Je sais pas, enfin, moi, j'ai eu zéro papier, hein. J'ai actuellement juste un papier de bonne réception des papiers. Mais j'ai pas de papier de Pax. Techniquement, c'est mon chéri qui a fait ça. J'ai eu quoi comme cadeau d'anniversaire? J'ai eu un sac pour remplacer mon sac à main. J'ai eu un sac à dos. J'ai eu ces livres. Je crois que vous allez les voir à l'envers. Pour essayer d'apprendre à dessiner. Ouais, vous allez voir à l'envers. Ah, il est lourd celui-là. Voilà. Des chaussures et des chaussures de rando. Voilà. Ah, et si, si. Et j'ai eu un cadeau. Franchement, ça va vous faire rire. On a plus de 10 minutes de rhum à ranger en cours en ce moment. Ah, en plus, c'est super long, les rhum à ranger, ça t'a un an. C'est un an. J'ai une amie qui est ostéopathe et
qui s'est occupé de d'un streamer connu. Et je dirais pas les noms pour pas machin, etc. Mais d'un streamer connu, que vous connaissez forcément. Et qui a donné ma chaîne Twitch à ce streamer connu. Quand je dis streamer connu, c'est peut-être autour des 10k viewers, quoi. En vrai, ça me fait rire. Ça me fait rire. Voilà ce que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire d'Orient. Bon anniversaire! Merci, c'était hier! Il a tout testé, je crois. Café, sirop d'érable, mirabelle, justement, et d'autres fruits en tout genre. Mais tu peux tout mettre dans les rhums arrangés. Hello, Nezuko! Coucou! Est-ce qu'il ne serait pas temps de se lancer dans l'aventure Stray? Hop. Coupons lançon. Et lançons le jeu. Est-ce que si je fais ça, c'est bon? Ça a l'air de bien fonctionner. Une manette est conseillée pour jouer à Stray. Ok, let's go. Est-ce que vous entendez bien le son ou pas? Je déteste le rhum. Oui. Ok, c'est parti. Ok, let's go! Les petites patounes. J'ai l'impression que ça lag un peu sur le stream. Oh, les petits chatons! En vrai, comme ça, dans leur zone, ils font un peu peur. Hein. Est-ce que si je me déplace, ça lag? Ah ouais, ça lag sur le stream. Alors attendez. Hop. On va vérifier. Ça, on va enlever. Steam, t'es pas en train de télécharger des trucs? Non. Ok. Bon, au restaurant, j'ai 3 jarres de 4 litres de rhum arrangé. Fraises, cerises, agrumes. Et agrumes, il doit être tellement bon, Gwenaelf. Et dans les paramètres. On va peut-être baisser un peu là. Les graphismes. Ok. Taux d'image par seconde, utilisation de mémoire graphique. Flou du mouvement. Bon, on va baisser ça. La netteté, qualité des effets. Moyenne. Ok. Appliquer modification, oui. Alors, c'est reparti. S'il veut bien. Oh non! Je vois plus le jeu! Mais... Oh! Ah!
Alors, attendez. Chez Dijars, la bouchette de 1,2 litres. Au début, il les a tous mises au-dessus des meubles. C'est en train de comparer son rhum. Ok. Alors, j'ai un jeu. Mais il fait cette taille. Donc, on va changer les paramètres, d'accord? Si vous voulez bien. Je sais pas ce que je suis en train de faire. On va essayer comme ça. Ok. Dis-moi que ça fonctionne. Reviens s'il te plaît. Ok. Est-ce que c'est mieux? C'est pas du tout mieux. Oh, mais il est trop mignon, ce chat! Regardez comment il bouge! Oh, le passage des paramètres. Je n'ai pas du tout pensé à... à changer. Non. On le voit pas du coup. Il reste plus que 50 centilitres dans les agrumes. Et à nouveau arrivé dans 2 mois. Yay! 50 centilitres pour 2 mois? Ça paraît pas beaucoup, non? Bon, on va essayer ça. Et je vais vous agrandir la fenêtre, du coup. Sur OBS. Et du coup, ça va peut-être pas être très joli. Pourquoi tu veux pas fonctionner, Stré? Allez, Stré. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez. Quelque part comme ça. Hop. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là c'est bon? Ça commence bien. Ouais, ça commence bien. C'est pas le meilleur format, mais j'ai l'impression que c'est celui qu'on aura, quoi. Si c'est fluide. Ça a l'air fluide. Mais vraiment, je suis en train de jouer en haut, en haut à gauche de mon écran. Bug 5... Ah, 500 centimes. D'accord. Ok. Il joue avec moi? Ah, il joue avec moi! Viens, c'est la bagarre! Oh, mais on est gentil quand même! Ils se font des bisous! Viens, copain! Oh! Celui-là, on l'aime bien et tout! Oh! C'est ma copine! Oh bah super, ma copine, elle va déjà voir quelqu'un d'autre. Alors, on n'a pas le droit de sauter? On peut pas aller là, ok, très bien. On va dormir avec eux. Finalement, une vie, tout ce qui est plus normal en tant que chat de gouttière. Je vais devoir arrêter, sinon je vais devenir une folle des chats, encore pire que maintenant. Oui, c'est mes frères et sœurs. Il y en a une, c'est ma copine. Je l'ai vue dans ses yeux. Elle m'aimait bien.
dieu, mais ce chat est beaucoup trop mignon. Regardez-moi ses grands yeux. Moi, je suis tellement fan des chats. Enfin, genre, ça n'a aucun sens. De jouer à ce chat, vous allez me voir tout le temps, genre... Ah, oh, ah, oh mon dieu. Vraiment le genre de stream qu'on n'a pas envie de voir, quoi. C'est trop marrant parce qu'on a l'impression que le jeu est tout petit, en fait. Colin. Let's go l'aventure. Waouh. À l'intérieur du mur. En fait, on voulait pas sortir parce qu'il pleuvait, mais en même temps, je fais la même chose chez moi. Attends, on a perdu un copain? Ok. On veut pas lui donner un nom à notre chat? On n'a pas de nom. On n'a pas de nom, on peut pas choter. Oh! Je veux être le noir. Excusez-moi, est-ce qu'on peut changer de chat? Je veux être le chat noir. B pour miauler. Oh! Ah, ils m'ont répondu! Oh! Un chat noir, c'est tellement beau, les chats noirs! Mais oui, c'est trop beau, les chats noirs. Il me faut ce jeu! Non, mais moi, il est sorti, je l'ai acheté. Oh! Mais ils jouent ensemble! Moi aussi, je veux jouer! Les copains, moi aussi je veux jouer. Oh non. Ah. Aidez-moi. Oh. Oh, vous êtes trop gentils les copains. En plus, ils m'ont attendu. Ok, il n'y a que certains endroits où on peut le faire. Par contre, c'est le meilleur endroit du monde. Enfin, je veux vivre ici. J'ai pas l'air assurée. Ah, est-ce qu'on peut jouer dans l'eau là? Ah non, c'est pour boire. On peut pas aller par là-bas? J'ai l'impression qu'ils veulent nous faire aller quelque part. Hein. Ok. Ouais, alors on va pas boire partout. Je me demande si on peut devenir malade dans ce jeu. On peut monter là. En fait, on peut pas sauter, mais on peut. Aux endroits où il y a marqué A, on peut monter et descendre. Bon, par contre, ils sont un peu oppressants, les copains. Oui, oui, j'ai compris qu'il fallait aller par là. On peut peut-être découvrir un peu ce qui se passe à côté. Pas monter au-dessus? Non. Ok, bonne balade. Et je peux pas descendre? Si? Ah, fallait que je trouve. Je suis en train de chiller avec mes potos. Wesh. Maintenir A pour enchaîner les sauts.
mais on peut aller là-bas. On peut faire des tours à l'infini, là. Attendez. Est-ce qu'on peut sprinter? Ah, ils m'ont suivi! Apparemment, on peut pas ouvrir les portes. Je vois pas pourquoi. On n'est pas ce genre de chat qui ouvre les portes à tout moment. Miaou. Oh, attends, je pouvais passer en dessous. Je suis quand même pas plus gros qu'eux. On a été élevés au même endroit. Ok, let's go, tout droit. Non, on est une princesse, on prend la rambarde. Il y en a marre de sauter. Il se passe un truc avec ces cailloux ou c'est juste des cailloux? C'est pour dire d'aller par là. C'est parce que t'es pas un chat noir. Les chats noirs savent ouvrir les portes. Le mien en tout cas. J'ai aucun de mes chats noirs qui... Ah, je me disais quand même qu'on avait pouvait passer. Ouais, les chats noirs que j'ai eu, ils ont jamais ouvert les portes. Hein. LT pour absorber. Pour observer. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à observer? Un chat qui reste dans l'eau? Mais il y a certains chats qui aiment bien l'eau en vrai. Hein. J'ai plus d'eau. Non! N'y va pas! Non! Non! Oh non! Mon Hadès, c'est un chat démoniaque qui sait même ouvrir le frigo. Ah ouais. Chez? Mais comment ça, chez Bauge? Est-ce que quelqu'un peut Théo le modo? S'il vous plaît. Bye bye, miaou. Mais c'est horrible. Mais oui. Tiens, bon, on voit rien. Oh non, mais je suis blessée! Non mais attendez, il se passe quoi là? Laissez-moi vivre s'il vous plaît. Mais je vais pas me faire bouffer par les rats. Et en même temps je le veux plus. Dès qu'il va arriver quelque chose à notre chat, je vous jure, s'il se passe trop de trucs, je pleure. J'en ai rien à foutre, je vais pleurer. Hop. Oh non. Je vais chialer. Oh, c'est sûr. Ok, c'est bon, il a retrouvé un peu la... Il a l'air moins blessé. Il y avait des trucs ici. Saut raté? Ah, parce qu'on pouvait réussir le saut? La ville morte? Non, mais venez, on revient entre les murs. Ça avait l'air mieux là-bas. Euh...
plus que 6 vies, le petit chat. Mais il en a pas perdu 3 d'un coup. Ah! Waouh. Non mais attendez. Oui, c'est 9 vies, le chat. Mais il y a quoi ici? C'est quoi ce bordel? On est d'accord qu'il faut aller là-bas, je pense. C'est quoi ça? Je suis pas là. C'est pas vrai. Je suis pas là. Tu veux pas me lâcher? Ok. Je me sens un peu surveillée. Je vais pas mentir. Ça me met pas bien. Putain, mais les sons des trucs. Ah bon, bah 8 vies alors. Bah y'a des rats, faut les défoncer pour les faire. Arrête, j'ai compté mes morts pendant tout le jeu. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gentils? Non mais attends, vous allez pas me dire qu'ils sont passés dans le mur là? Je pense que subtilement, la flèche qui nous dit d'aller par là, c'est pour aller par là, quoi. Je peux le faire tomber, ce truc? Ah non, mais je peux aller dessus, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça, là, qu'on peut aller? Ok, je me suis fait un peu mal, pardon. Genre ici... je crois que là on peut pas y aller, hein. Ok. Mais arrêtez de me suivre. Attends, mais en vrai les caméras, mais... Faut pas faire ça. Waouh, il se passait quoi là? J'ai pas trop envie d'aller dans l'eau polluée là. Je sais pas où je vais. Hein. Je vais vous laisser, je reste en lurk, mais je vais miam. Bon appétit, Roxane, merci pour ton lurk. Des bisous. Est-ce qu'on peut monter? Non mais je suis un chat, je peux monter ça. Je vais aller regarder du foot, c'est plus intéressant qu'un chat. Mais tu fais ce que tu veux, Boge. Bon foot! Je suis désolée, mais pourtant ça court pareil derrière une papale. C'est pas faux. Ok. Je vois subtilement où est-ce qu'il veut nous amener. Follow me. Je dois être le chat le plus intelligent qu'il y a sur Terre. Est-ce qu'on peut monter ici? Ok. Et mon intelligence s'arrête là. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut pousser ça, non? J'ai pas l'impression que je puisse pousser les choses. Est-ce que ça marche ça? J'ai pas l'impression. Et ici? Je pense sincèrement que ça a débloqué le A, c'est sûr.
Est-ce qu'on peut lâcher? Lâcher. Ok. Ok. Il est trop mignon! Oui! Il est trop mignon! Allez! On prend le petit seau et on le lâche là. J'ai tous les seaux! Mais pour votre plus grand plaisir, je vais garder le stream sur une autre fenêtre pour voir la souffrance de ce chevreau chat. Mais il est trop mignon ce chaton! Il peut ramasser tout! J'ai ramassé tout! What the... Pardon? Pourquoi il y a un seau qui est dégagé comme ça? Merci pour le raid, Luna! Coucou! Miaou. Bienvenue le raid! Yay! On est en train de voir les chatons! Ah! Ah, je pense voir. Il se passe bien là, tu as martyrisé un petit chat? Non! Non, ici on est pro chat. Alors. On peut monter là, mais ça sert pas à grand chose, j'ai l'impression. Peut-être à monter ici, non. Et toi alors, ton stream s'est bien passé? T'étais sur quoi finalement après. Après le non-stream de Katizen. Moi je les exploite dans les jeux. Parfait. Alors. J'imagine qu'on va pas passer à travers un truc hyper roulant super vite. Peut-être qu'on peut le bloquer avec ça. J'en sais rien. Ouais, j'ai fait 2 points comme puce et j'ai débloqué Poudlard. T'as eu Poudlard? Une belle brochette de psychopathe à la paix. Oh, let's go. Je suis clairement le chat le plus intelligent du monde. La preuve en direct. Je suis aussi le chat le plus chat du monde. Évidemment que ça tombe. Mais c'est plus de l'air le nom. Ah oui, pardon. Je connais pas Two Point Campus. Alors on va plutôt descendre ici. On va tout faire tomber. Parce qu'on est vraiment un chat. En tout cas, merci pour le raid, Luna. Et voilà, tout est tombé. Et maintenant Alors, si on peut pas aller là... peut-être ici, tiens. Non, j'ai pas l'impression. Attends, mais il y en a un qui me regarde. On peut monter là? Oui. Ah mais j'ai l'impression que c'est pour descendre, c'est pas pour monter. Et pourquoi on peut pas monter l'escabeau là? Ok, très bien, on redescend. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut grimper? Je peux littéralement que miauler. Ah bah voilà, je me disais quand même. Alors ici on peut pas y aller, ici on peut pas y aller. Bah let's go ici alors. Non mais il y a un truc trop chelou en bas. Jureux. À tout de suite, Luna.
Coucou Moko! Comment tu vas? Faites attention, Patoun. Il y a de la peinture partout et des bris de verre. Et ma manette, elle vibre. C'est franchement comme un ronron. Oh, c'était trop bien. Quoi? Tu t'es éteint après m'avoir fait venir ici? Comment? Est-ce que t'as passé une bonne journée, Moko? Oh, let's go Poutoune est partout. Mais non, regarde, après, il n'y a rien. C'est un tapis magique. Est-ce qu'on peut faire tout tomber là? Bah évidemment. Voilà. Ce serait pas... Ici, on peut pas poutouner un coup là sur le canapé? Ok, on peut boire un peu. Oui, nickel, et quoi? Et toi? Oui, écoute, très bien. Je suis passé une très bonne journée aujourd'hui. Ce matin, on stream, tout s'est bien passé. On a pu finir... un mood board. Cet après-midi, j'ai pu travailler un petit peu. Let's go faire tout tomber. Allez, c'est parti. Gameplay, tout faire tomber. Bon, apparemment pas ça. Voilà. Ah d'accord. Mon Dieu, mais il est trop mignon. C'est indécent d'être aussi mignon en fait. Par contre, on est d'accord que c'est le début du... Attends, mais elles sont allées par là, les petites... Ok, très bien. Mais il n'y a rien par là. J'ai fini quelle pièce ce matin? La cuisine. Pour le mood board. Ce matin, c'était la cuisine. Mais que sont-ce? Oh! Non, mais attends. Tu fais un peu peur, monsieur. On se relève pas d'entre les morts comme ça. Bah du coup, t'y retournes. Non, par là on peut pas aller. On peut plus rien faire avec monsieur le robot mort. Demain normalement sur le stream on finira le salon. Putain, mais il y a vraiment des flèches partout par contre pour nous dire où elle est quoi. Mais il est vraiment mort le monsieur robot? Moi je peux pas. Il faut que ça se termine bien hein, par contre. Je vous préviens que si c'est un jeu qui finit mal, je vais être traumatisée à vie. Et plus jamais je ferai un seul jeu sur la chaîne de la paix. Merci Drake, merci pour ton lurk. C'est pas du tout flippant. Oh non. Vas-y, grossis-toi, mon gros. Maintenir RT pour courir. Laissez-moi tranquille! Non mais ça va pas non? Wouh!
Mais dégagez les pucerons. Non ! B. Je sais pas ce que c'est B. B. Allez-vous-en ! Attends, mais ça me suce le sang ou quoi? Non! Je déteste les tiques. Je trouve que le pire animal au monde, c'est les tiques. Qu'elle soit robotique ou pas, je m'en fous. Le pire animal du monde, c'est les tiques. Hello, Lily Suzy! Comment tu vas? C'est un peu insistant, hein. Waouh, mais mon miaulement, il a des pouvoirs. Est-ce que ta journée a été bonne, Lily Suzy? Ah, on peut s'accrocher là? Ah non, c'est juste qu'il y a un rebord. Ok, très bien. Fatiguée, j'arrive rien à faire depuis le réveil de la sieste. Ah, c'est le genre de réveil de sieste... Enfin, c'est le genre de sieste où tout est dur, quoi. Alors, on a dit gameplay tout cassé, hein. Gameplay tout cassé. Yo! Il est où, le pot? Ah, il est là. Oh, c'est dans l'autre sens. Let's go! J'ai pas pu aller à la bibliothèque, il y avait de l'orage. J'étais déjà en retard, je vais me faire gronder. Tu travailles sur quoi? Enfin, c'est quoi en ce moment le... Parce que je crois que t'es institutrice, non? Ou je me trompe? Ok, ça donne pas envie d'aller par là. Hein. Oui. On peut sortir d'ici, s'il vous plaît. Je suis grondée, mais la biblio, c'est pour du perso, pour lire. Ah, ok. Je pense pas que la flèche nous dise de tomber. Hein? On va partir de ce principe-là. Du coup, il y a sûrement un endroit où j'ai pas vu, on peut aller. Et en arrière peut-être? Non. Mais on peut emprunter le livre que 3 semaines. Ah. Et du coup, tu les as pas rendus. Oh! Des fois, les endroits pour trouver où sauter, c'est un peu dur. Ok. Je vous ai dit, hein, le meilleur chat du monde, c'est moi. Tu peux les prolonger ? Voilà, mais comme ils étaient fermés une semaine au milieu et que c'est encore un peu les vacances, je devrais m'en sortir avec une grimace. Ah, je pense que c'est la même grimace que te font tes élèves. On est où? Ah, c'est une laverie automatique. Moi, je trouve inquiétant. Quelqu'un n'a pas appris à ce joli petit chat qu'il fallait pas suivre les instructions des personnes qu'elle connaît pas.
En vrai, je pense que les bibliothèques... Enfin, j'en sais rien, en fait. La seule bibliothèque à qui j'ai jamais emprunté des livres, c'était le CDI. Et je crois que je me suis jamais fait engueuler pour ça, donc... La tête des élèves de à la rentrée. Mais madame... Oh, on peut monter dessus? C'est trop mignon parce que vraiment, ils demandent de l'aide. Ils demandent de l'aide en miaulant. Et genre, il y a quelqu'un qui lui répond quoi. Mais là-haut, c'est un chat errant, il n'y a personne pour l'éduquer. Oh non! Il a personne dans sa vie! Mais il avait des frères et sœurs et on lui a enlevé! Oh non, il est tout seul maintenant! Oh non, je vais réussir à me faire pleurer toute. Oh, Big Genius. Excusez-moi, j'étais partie pour pleurer, j'étais partie me cacher pour pleurer, mais en fait ça a débloqué la scène. Voilà. Comme quoi, il faut tout suivre, toujours suivre son instinct. Oula. Est-ce qu'on peut aller là? Ah, c'est là où il y avait le truc tout à l'heure. Comme quoi, faut toujours pleurer, c'est très efficace. Ça résout plein de situations. Les livres pour Lily Suzy, jouer à Stray, les collègues pas sympas aussi. Souvent, ça règle la situation. Ou pas. J'ai eu si peur. Mais moi j'ai eu les larmes aux yeux, hein. Faut arrêter de sauter sur des trucs instables, hein, monsieur le chat. Top, top, top. Pour l'instant, on sait où on va. Du coup, toute la partie que tu fais là, j'étais en train de pleurer en mode petit chat, il est perdu, c'est quoi ça? Bah, notre truc, en vrai, c'est trop triste. Vous avez vu le dessin animé Oliver et compagnie ou pas? Ou au moins la chanson du début. What? J'ai bien fait d'arriver après la scène de séparation alors. Oui. En vrai, c'était trop triste. Non, j'ai jamais vu en entier parce que quand j'étais petite, ça me faisait pleurer direct. On est d'accord que la pro... ce n'est pas de mon enfance. C'est un Disney qui parle d'un chat errant. Qui rencontre des chiens errants. Voilà. En très 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 raccourci, très résumé. Et en vrai, il est bien. Hein. Franchement, il est bien. Mais faut passer la première scène. La première scène. Je suis désolée. Première scène, première musique. Si tu pleures pas, ne serait-ce que même intérieurement, t'as un cœur de pierre. J'en étais où? Ok. Bah certes. Ah. Moi qui aime bien Disney, pourquoi pas l'acheter le DVD? Bah si t'aimes bien Disney, franchement,
Enfin, moi j'ai pas été déçue avec Oliver et compagnie. C'est juste que vraiment le début est triste. Il y a un manga qui s'appelle Chi, vie de chien, et qui apparemment est méga pipou. Premier chapitre, le chaton se perd et retrouve pas sa maman. J'ai jamais lu la suite. Faut arrêter de. Que les chats aient une vie de merde, ok? On n'est pas prêt, on n'est pas fait pour supporter ça. Moi, je milite pour que les animaux aient une vie tranquille et mignonne et que Bambi retrouve sa maman. Voilà. Mais il m'a fait trop peur. Ah, mais ça s'est cassé. C'était fait exprès. Bon, où suis-je? Ah, je crois qu'il faut que je passe ici. Non mais, je sais pas, mais on va m'appeler Einstein en fait. J'ai débranché. What? La Holstein. Exactement. Alors. Alors, je pense qu'il y a un truc à faire. Je pense qu'en fait, je pouvais juste passer. Comment ça va, Etty? Comment s'est passée ta journée? Coucou, Ezra! L'appartement. Ça va, ça va. Allez, let's go tout péter. Oh, un lit. Est-ce qu'on peut poutouner ici? On peut pas poutouner. Après rentrer demain, j'ai vraiment pas envie. Tu m'étonnes. Oh, vas-y. Ouais. Oh, il y a de la musique partout. C'est ici d'où on vient? Ouais, c'est ici. On va pas aller là du coup. Voilà, j'ai tout fait tomber. Regarde, Otzi! Est-ce que tu vois le petit chat? C'était bien. Non, je voulais pas descendre. Tu te tais la musique. Ok. Donner quand on plus besoin d'aide. Ça, c'est clairement Kira quand Alyssa l'essaye de travailler. Le petit chat va faire ses griffes sur le fauteuil en cuir. Mais. Non, mais. Allumer. Passer la porte, allumer, trouver un corps. Bah, let's go trouver un corps alors.
Du coup, est-ce qu'il fallait ramener l'autre là? Non, je crois qu'il est là-haut. Non, mais quand je bosse Kira, il se met dans le couloir, il fait Maou! Jusqu'à ce que je me lève. Allez. Y en a un. Il y en a deux. Ça, on s'en fout apparemment. Tip 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 tip. Comment on va là-haut là? Déjà. Ah! Attendez, il y a une manivelle ici là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et le dernier. Putain, je suis vraiment un chat bionique. Ici! Demain, je vais au boulot. Mon compas sera obligé de s'occuper seul du chat. On a ouvert une porte. Chut. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En vrai, on n'a pas envie d'y aller, hein. Excusez-moi. Bon, on a trouvé le corps. C'est pas moi! Je vous jure, je l'ai pas tué, monsieur l'agent! Il était déjà dans cette position! Pas ici. Bon, où est-ce qu'il faut remettre le truc? Un carton! Je regardais pas de patrouille. J'ai un alibi. J'étais au cinéma. C'est exactement ça. Si seulement ce chat pouvait regarder pas de patrouille. Ah, maybe là-haut. Alors, comment ici? Attendez, mais j'ai vu qu'on pouvait sauter. Arrêtez de me mentir, monsieur. Okay. Non mais là il y a masse carton, c'est incroyable qu'on puisse pas aller dedans par contre. Hein. Le jeu est mal fait, on peut pas aller dedans. Ouais. Faites des bises, je passe dans l'heure qu'à plus tard. Des bisous aussi. Attendez, le seul endroit où on peut le mettre, c'est ici ou je suis en train de rêver? Ça. Oh non, c'est pas une prise de... C'est pas une prise comme ça, là. Attends, mais c'est quoi? Ah, mais j'ai des yeux! C'est pas une prise que j'ai, c'est des yeux. Non, mais attendez, je sais plus ce que j'ai dans la gueule, en fait. Pardon, monsieur le robot. Où est votre tête? Ah, mais c'est pas ça votre tête? Faut inventer un jeu où le chat doit juste fouiller des cartons. Mais si ce jeu n'existe pas, c'est un scandale. Déjà. Non mais il faut que je lui retourne la tête là?
Qu'est-ce que j'ai dans la gueule? On devrait pouvoir explorer chaque carton. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas lui qui a besoin de... d'une tête? Il m'a tout l'air de quelqu'un qui a besoin d'une tête, pourtant. Attends, j'ai cru voir un truc. Ok. Là, il y a des trucs partout. Et quand on va là, il y a des trucs partout ici aussi. Et quand on le prend, il n'y a plus les trucs partout ici. Ok, j'ai lâché. Bon, on va revenir en arrière, on va voir ce qui se passe. Puis si quelqu'un a besoin d'une tête, il se manifestera. Ah, je crois qu'il y a des signes. Je suis pas sûre, mais je crois qu'ils essayent de communiquer un truc. C'est ridicule, t'as pas de bras. Petite chose. Je suis là. Miaou. Let's go parler en chat pendant tout le truc. Miaou. On se comprend, toi et moi. Spark. Je lui ai défoncé sa gueule. Tiens! Ah, il jouait avec moi. Il a fait le mort. Oh là là. De quoi tu causes? Oh, je suis libre. Merci. Je ne crois pas les caméras. Un chat dans la ville morte. J'ai oublié mon nom. Je crois que ma mémoire est endommagée. Je suis restée trop longtemps prisonnier du réseau électronique. Je sais que j'ai travaillé pour un scientifique qui vivait ici. Pour le moment, tu n'as qu'à m'appeler B12. La luciole de Spyro? Ah ouais, non, mais la luciole de Spyro, elle est beaucoup plus mignonne que ce truc-là. Qu'est-ce qui est écrit sur ma coque? Il y a écrit... C3PO, je crois. Ça me va. La ville morte est un endroit dangereux, mais tu as l'air débrouillard. Sortons d'ici, suis-moi. Enfin, ok, let's go. On n'est plus tout seul. C'était bien finalement quand personne parlait. Cette clé ouvre la porte, c'est tout ce dont je me souviens. Let's go, Spark. Tu viens de dire que B12 était pas mignon? Non, j'ai dit que Spark était plus mignon que ce truc-là. Je vais te l'attraper. Merci, B12. Vas-y, prends. Très bien. Ma batterie est déjà presque vide. Viens par ici. Oh là là. Il va falloir que tu mettes ça. Mais qu'est-ce qu'il m'a mis sur le dessus là? Wesh! Pistache! Quand tu lui fais un truc qui commence à marcher bizarrement. Lâche-moi! Lâche-moi, B12! Je suis morte. Ouais, tu vas avoir un peu de sous-titres à lire. Clin d'œil certain à Destiny. Sors de là! Va-t'en, B12! Je suis complètement retard. Vas-y.
Vas-y, mon chat. Ce cadeau a été conçu pour les petits quadrupèdes dans ton genre. Bah, ça tombe bien, mais s'il n'y en avait plus, pourquoi il a fait ça? Il était pas trop gênant à porter? Easy. T'es pas du tout lourd. T'es léger comme une plume. T'inquiète pas, tu vas t'habituer. Ah ouais, non, mais en plus. B12, on dirait un spectre dans Destiny. Ah. J'ai numérisé la clé et je l'ai placée dans le sac à dos. T'imagines B12 qui te numérise et qui te place dans le sac à dos? Il est complètement barge, en fait. Moi, je marche pareil quand j'ai un sac à dos. Yes. Oh, on n'a pas de souvenirs? Examiner. Oh. Sexy. Facile. Pour savoir à quoi sert un objet, montre-le-moi. Ou montre-le à d'autres gens, si on en croise. Et maintenant, il faut sortir de cet appartement. Allez, let's go B12. Si t'arrêtais de parler aussi. Sortons de cet appartement. X, ouvrir. Oh! Non mais à défaut d'être plus mignon que Spark, il est quand même vachement plus utile. J'espère qu'il y a un haut fait avec les trucs de peinture parce que sinon je vais me sentir mal à la fin d'avoir tout renversé pour rien. Ah, faut trouver un code! Non mais attendez, j'en sais rien. B12, c'est quoi le code? Non mais sors! Incroyable ça. Alors, est-ce qu'il y a un code quelque part? Code égale 3 plus 48. C'est ça? 3, 7. 3, 7, 48. Ok. En même temps, ils sont cons de laisser le code comme ça. Let's go la liberté! C'est le code du pastis, ça. Regardez, j'ai B12. Hein. J'ai 4 yeux. Pas de la porte. Je suis une petite araignée. Oh, quel drôle d'endroit dehors. Cet ascenseur au loin, je crois que c'est important. Je sais qu'on doit monter. Oh bah alors, si tu le dis, on va faire ça. Ok. Mais moi, je veux juste rentrer chez moi, en fait. Let's go! Ah ouais. Ça a pas l'air fun en dessous. Hein. Ça lag chez moi aussi, hein. Est-ce qu'on peut aller dans l'autre sens ou pas? Oh non! Je suis pas montée assez vite. Donc chez toi c'est en haut. Attends, ça me revient à l'extérieur. J'ai l'impression d'être déjà venue ici. C'est de là que tu viens? Moi je suis entre les murs. J'ai promis à quelqu'un que j'irai là-bas. Mais promis à qui? Mais qui donc B12? Cette carte postale, elle a inspiré cette peinture murale. Prenons-la! Mais tu voles tout et n'importe quoi? What the fuck? Tout me viennent ces souvenirs. Comment sont-ils arrivés ici?
Continuons. Non mais... Wow, 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 B12, je te trouve vachement, vachement directif. Module kleptomane. C'est exactement ça. Putain, moi j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à être là, j'ai pas demandé à avoir un sac à dos chelou avec un petit robot amnésique. Je veux juste rentrer chez moi et retrouver ma famille. Peut-être qu'on peut sauter ici. Dis-moi qu'on peut sauter ici. On va pas sauter ici, on est obligé d'aller en bas. Allez, 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 allez. Oui, c'est bien. Traduire. Zone sécurisée. Okay. Ah ouais, c'est les tics robotiques qui font peur. Je me casse. Je sais pas où je suis, hein. Je me vois pas. Littéralement. Les taudis. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens ont peur de moi? Un être vivant! Oh mon dieu! Il va nous bouffer! J'espère qu'ils sont au courant qu'on bouffe pas les trucs en métal quand même. Sinon on a qu'à aller aux androïdes. Pourquoi il y a une alarme? Vas-y cours! Non mais j'étais allée derrière lui. Let's go le combat! Tu ne fais pas le poids. Oh, putain, j'ai les yeux du démon en fait. Bonjour! Ah. Oui, j'avais remarqué. Tu n'es pas un zurk? Tu donnes la langue au chat? Tu es d'une espèce inconnue. Tu es le bienvenu dans notre village tant que tu ne manges personne. Je le savais. Je savais qui pensait qu'on les mangeait. Je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai fait le scénario de Stray. C'est bon, il mange personne! Je l'ai vu dans ses yeux! On leur dira pas qu'on a tué deux de leurs par contre. Bah ils te connaissent pas, c'est normal qu'ils s'inquiètent. Oui non mais t'as vu la taille? C'est pas la petite bête qui mange la grosse, hein, comme on dit. Je déteste cette expression. Laissez-moi tranquille avec mon arachnophobie. Ok, du coup, tu veux qu'on lui parle? Ok, très bien, faisons ça. Apparemment, j'ai pas le choix. Parlez au gardien. Montrez l'objet. Montrez l'objet. Oh, une photo de l'extérieur, ridicule. Cet ascenseur ne fonctionne pas. Tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit. Enfin, sauf les extérioristes. Il vient de nous traiter de quoi, là?
Mais ils sont tous partis maintenant, sauf Momo. Tu peux essayer de lui parler si tu veux, mais il a abandonné toute l'idée de départ. Et c'est tant mieux. Il vit tout en haut de ce bâtiment avec le néon orange. Let's go, Momo! On arrive! Kira aussi, quand il voit quelqu'un, il se demande s'il va se faire bouffer ou non. Oui, mais Kira, là, c'est dans le bon sens. Appelle-moi quand tu veux, je suis là pour t'aider. Le gardien nous a dit d'aller parler à Momo, au sommet du gros bâtiment avec le néon orange. C'est la seule piste qu'on a pour sortir d'ici. Ok, j'imagine que c'est moi qui vais faire tout le travail. Oh, qu'est-ce qui va se passer si je poutoune? Je suis en train de faire un rituel sacré. Je suis en train de vous maudire. Ayez peur! Il faut rien du tout pendant que je poutoune. Ah mais faut que je les réveille d'abord. Attends, attends. Ah putain mais non mais il se rendort direct. Mais... c'est fou en plus, tu vois qu'il me connaît, regarde. Ils ont un écho-chat là. Un chat porte-bonheur. Ils ont littéralement ma statue en or sur leur bureau. Très dur. Nos ancêtres depuis longtemps disparus, les mousses, nous ont légué cette cité. Notre foyer et leur héritage. Les mousses ? Ok. Oh, on va poser la question à lui une fois quand même. Non mais laisse-moi descendre s'il te plaît. On va faire une rencontre. Tu pensais vraiment prendre l'ascenseur ? Je n'ai jamais vu ce truc fonctionner et j'aurai 374 ans demain. Quel beau rêve. Quel dommage que ce ne soit qu'un rêve. Comment il vient de réduire nos espoirs à néant. Traduire. Seuls nos ancêtres peuvent distinguer ces couleurs. On garde compte qu'autrefois elles étaient prédominantes. Le vert? Ou le bleu? J'arrive pas bien à comprendre quelle couleur c'est. Pourquoi monter là-haut? Il n'y a rien là-haut. Je crois que Momo a ce genre d'image. Tu la lui as montré? Bon, j'ai compris. On va voir Momo. Let's go voir Momo. Momo! Faut aller là-haut. Hein. Déjà, première étape pour aller là-haut. Prendre de la hauteur. En passant par ici, peut-être. Comment ça, tu miaules? Y a plus de passage? Ok, par ici du coup. Ok. Let's go tout faire tomber! Je sais plus où est la pancarte orange. Elle était pas quelque... Ah bah voilà, elle est là. Hop! On va sur tous les toits. Ah, il faut aller là-haut. J'ai l'impression que c'est notre porte de sortie, ça. C'est pas toi, Momo. Ces cercles de lumière sont agréables à observer, mais je veux voir le vrai ciel un jour. L'extérieur, Momo m'a promis de m'y emmener un jour. Momo a l'air d'être un menteur. J'espère que c'est pas lui parce que... il m'a pas l'air très fut-fut lui.
C'est mytho. S'il te plaît, n'embête pas Vapora, elle est trop maladroite. Okay. Est-ce qu'on peut faire tomber ces trucs à lui? Non, on peut pas. Par où faut-il passer pour aller là-haut? S'éloigne un peu de l'objectif là. On va aller là-bas. Peut-être qu'il faut faire tout le tour. Ok. On va repasser par là. Et peut-être par là-bas. Ou juste ici. Voilà. Ça m'a l'air fermé. Ah mais tout le monde ouvre la porte ou la fenêtre. Oh non. Mais pourquoi tout le monde fait la gueule au début? Faut pas faire la tête. Surtout quand on a une tête à arc-en-ciel. Ça ne marchera jamais. Pourquoi je les ai laissés partir? Je suis tout seul maintenant. Seul toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est une photo de l'extérieur? Tu veux y aller? Bah, te fatigue pas, c'est une perte de temps. Tu n'y trouverais que de solitude et du désespoir. Mes amis en rêvaient aussi, mais maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ignore où ils ont atterri. J'ai essayé de les contacter, mais cette radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les miennes si tu tiens vraiment à y aller. Nouvel objet acquis. Ok, bah merci Momo. Tu es tout seul maintenant. Je ne veux plus entendre parler de l'extérieur. Bonne chance. Momo a l'air très triste. Ses amis lui manquent. Bien vu, B12. Laisse-moi jeter un œil au carnet qu'il nous a donné. Alors, j'ai pas lu. Ah, le manifeste des extérioristes. Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Nous devons protéger nos frères et nos sœurs. Nous devons fuir les Urks. C'est signé Clémentine, Zbaltazar, pardon, Doc et Momo. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. C'est un coquin, Momo. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. Ah, il y a d'autres carnets. Extérioriste. Après, faut fermer le frigo. Je pose pas la question d'où vient l'énergie, lui. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut aller sur la tête de Momo pour monter là, sur l'étagère là-haut? J'ai pas l'impression. On a... Ah, c'est Momo et ses potes! Oh... Terre. La Terre est la troisième planète après le Soleil et la cinquième plus grande du système solaire en termes de masse et de diamètre. Ils pensent pas à ça, à la planète. J'espère qu'ils font pipi sous la douche au moins. Non mais ça serait la moindre des choses. À ce jour, c'est l'unique objet céleste connu pour héberger la vie. Si l'on en croit la datation... Non mais attends. Elle n'a qu'un seul satellite naturel, la Lune, qui s'est formée juste après. Ils ont vraiment mis des trucs scientifiques comme ça sur le chemin. Genre en mode, non mais c'est en jouant aux jeux vidéo qu'on apprend des choses, donc prenons des choses aux enfants. La Lune engendre le phénomène des marées, stabilise l'axe de la rotation de la Terre tout en diminuant progressivement la vitesse. Un jour on va geler sur place. À cause de la Lune. Yeah! Bah bizarrement il suit pas du tout ce que je fais hein.
Est-ce que... Voilà. C'est mieux. Tu te tais la musique. On peut jouer à la balle. Dommage que j'ai pas mes copains pour jouer à la balle avec. Évidemment qu'on poutoune tous les tapis qu'on voit. Ok, certes. Oh, il a des belles images de l'extérieur lui aussi. Se rappeler ? Oh, Back Home 2, je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Avec le scientifique, on y a joué pendant des heures. C'était amusant, il me manque. Mais tu te souviens même plus de son nom. Pourquoi j'ai oublié son nom? Nouveau souvenir découvert. Ok. Kurakin. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? On va poutouner aussi les murs, hein. Ah, pas de problème. Peut-être qu'on va découvrir des secrets derrière la tapisserie. Ah, j'ai laissé ma place. Est-ce qu'on peut sortir? Wow, je voyais pas où on allait. Prendre apparition, partition, 1 sur 8. Il y a des collectibles. Ok. Pourquoi ça fait de la lumière ça? Hop. La ville a formé d'un cylindre environ 450 mètres de diamètre, existe un niveau au-dessus d'une autre. La ville semble dotée d'un plafond. Si j'en crois mes livres, un grand ciel bleu est caché derrière. D'accord. J'imagine que c'est lui. Mais je pensais qu'on pouvait sortir là. Voilà, j'ai mis ma trace ici aussi. Est-ce qu'on peut encore parler à Momo ou pas? Tu cherches toujours ces carnets inutiles? Ouais. C'est mon carnet, je suis le dernier à avoir rejoint les extérioristes et il ne reste plus... Et il ne reste aussi plus que moi. Let's go repartir du coup. Le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet. Oh, ça pourrait être une piste. Mais tout à fait, Thierry. Hop. Let's go, le signe chelou. Ah, on s'arrête jusqu'ici. Très bien. Bah, pas trop vite alors. Hop. Est-ce qu'on peut aller là? Ici?
Voilà. Ok. Easy peasy. Bonjour. Est-ce qu'on peut pas tourne? Non. Ici, 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 non. Let's go, le gameplay tout cassé. Ok, on est passé de manière honteuse. Oh. Le module klepto enclenché. Prendre carnet de Clémentine. Let's go. Un carnet d'extérioriste. Le signe était le bon. C'est le même logo que celui que Momo nous a donné. On dirait que celui-ci appartient à une certaine Clémentine. Le plan se déroule comme prévu. On a réussi à contacter l'étage supérieur avec eux avant que la radio ne tombe en panne. Ils sont dans un milieu appelé centre-ville qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. J'ai parlé à Momo tout à l'heure. Ses yeux. Je connais ce regard. Il ne viendra pas avec nous. Trouvons les autres carnets. Faisons ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sigles extérioristes? Je suis désolée, mais extérioriste, ça fait tellement, tellement terroriste. Ça peut pas être les gentils, quoi. Ah. Vas-y, prends la partition. Je t'en prie, B12. C'est ton petit péché mignon. Oh, le mien, c'est de laisser ma trace un peu partout. C'est quoi le bruit à la porte? C'est sûrement rien. Ok. Et donc, il se passe rien. C'est que c'était vraiment rien. Peut-être là-bas. Ouais, là-bas. Il y a un signe extérioriste. Qu'est-ce que c'est que ça? La télé! Qui regarde la télé. Oh, il a une chatière, lui. Sympa. J'ai l'impression qu'il faut trouver des partitions, quand même. Hein, pour jouer du piano ici, j'imagine. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain, volume 42. Ah, enfin les vrais mots. Je suis un artiste. Hop. Est-ce qu'il y a des choses ici? Non. Forcément incarné quelque part hein, dans ce bordel. Ah! Ah, les canapés, c'est vraiment les meilleurs. Surtout les vieux canapés comme ça, là, en cuir.
va bien laisser sa trace. Salut Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre. Tu devrais mieux les cacher. Cacher ton coffre derrière des livres ne suffit pas, Jess la bibliothécaire. Oh ! Une petite quête secondaire. Toi, tu fais un peu peur. C'est quoi ce signe ? Allez ! Let's go trouver le coffre. Derrière les livres. En plus du carnet. On peut pas aller là-haut, là ? Ça me paraît incroyable qu'on puisse pas aller là-haut. On est un chat, on peut aller partout ! Là, il y a un truc. Je m'en fous de tes carnets, de tes trésors, de tes trucs. Moi, je dors dans ma bibliothèque, ok? À trouver où est le carnet et le trésor. Il n'en reste que deux. Tu devrais les voir à partir des toits et essayer de repérer les logos d'extérioristes. Mais c'est ce que je fais, c'est pas là-dessus que je veux que tu m'aides. Est-ce qu'il faut faire chaque colonne? Les X? Là, c'est là où on est arrivé. Là, il n'y a rien. Là, on peut pas monter. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des points partout, alors qu'en fait, il y en a nulle part. Où est-ce que je suis pas allée? Forcément un endroit où je suis pas allée. Aidez-moi. Ok, là j'ai l'impression que je peux rien faire d'autre. Et
Et là, est-ce qu'il y a des trucs à voir? Mais non. Il n'y a rien à voir ici. On peut pas sauter en haut. On peut que sauter en bas. Et faire tomber les livres. Ah. Attendez, mais... Bah faire tomber les livres, c'était pas mal finalement. Joli travail, un carnet de plus. On dirait que celui-ci appartient à un certain Doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les Zerks en sortant. Ah, les Zerks, c'est les espèces de tics mécaniques. La première tentative fut explosive. Je vais peut-être devoir le tester dans des conditions réelles. Trouvons les autres carnets. C'est quoi qu'il y a au-dessus? C'est une flasque? Oh! Putain, mais ce livre de la pâte dorée, là? Putain, mais je peux pas le prendre. Excusez-moi, mais... Il est incroyable. Donc, ça en fait 3. Peut-être par là-bas. Il y a des lumières bleues. Oh, un vieux monsieur. Oh, salut toi, t'as l'air bizarre, t'es chétif, mais t'es pas comme les autres. Je sais que je suis censée te caresser, mais je vais m'abstenir parce que je ne comprends pas pourquoi. Une partition? Désolée, je ne joue d'aucun instrument. Il y a un logo des extérioristes? Il y avait un groupe de gens qui cherchaient la surface. Momo en faisait partie. Un jour, ils ont décidé de mettre leur projet à exécution et sont entrés dans les égouts. Malheureusement, on n'en a plus jamais entendu parler. On ignore pourquoi Momo n'y est pas allé. Je crois qu'il regrettera toujours cette décision, le pauvre. Bon, c'est tout. Pas grand chose à dire, le monsieur, même s'il est bien sympathique. Vous êtes fort aimable, jeune homme. Wow! Attendez, on voulait pas aller par là. Peut-être aller là. Ah. Non, c'est pas un logo des extérioristes. Alors. On est allé là. Là. Ah bah il est là, le dernier. Ok, est-ce que je peux sauter d'ici ou pas? Hop. Let's go. Certes. Oh non! Oh non! On n'a pas été un gentil chat! Désolé! Mince! On a embêté Vapora. Faut qu'on aille là-bas.
Est-ce qu'on peut sauter? Non, ça paraît large. Oh! Mais non, mais attendez, je vais remonter là. Hop! Faut aller là. C'est pas le premier endroit où on est allé? J'ai pas l'impression. Le gameplay est tout cassé! Par contre, il y a certains bugs sur les... plots. Ils sont beaucoup trop drôles. Non mais là, si je passe, je vais faire du hachis de chat. Bah voilà. Il suffisait de demander. Oh, enfin sur un carton. Let's go faire tout tomber. Ah ! La poutoune qui fait la diff. C'était pas là où j'étais? C'est pour partir, non? Ok. Ah. Enfin, le dernier carnet. Ah oui, il était dans les trucs... il était dans les cartons. J'ai juste voulu les faire tomber, en fait. Je m'étais pas dit qu'il pouvait être là. Toute trace de vie organique a disparu, l'exception de ce que l'on appelle les urks. On dirait qu'ils mangent tout ce qui bouge et qu'ils se reproduisent à une vitesse inimaginable. Comme si se retrouver enfermé dans cette cité n'était pas assez difficile comme ça. Oh! Il y a aussi une note sur ce livre. C'est écrit « J'ai trouvé un défaut de conception dans la radio, mais je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. » Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Si elle nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs, ça pourrait être notre moyen de remonter. Let's go aider Momo! Oh! Je pense que c'est le bon moment pour aller, aller chercher de l'eau. Je reviens! On va boire un petit coup. Une infusion. Hop. En vrai, le jeu est sympa. Mais ça reste quand même très, très linéaire. Chat perché. Ah oui, mais il fallait partir par l'autre côté.
Et ici, il n'y a pas de partition. Du coup. Donc, il n'y a rien de... Ok. Hop. C'était le moment de boire. Évidemment, il n'y a plus de musique pendant que j'ai bu. On n'est pas censé aider... Oh. Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Au début, leur IA de base se contentait d'imiter l'art humain. Maintenant, ils font ça tout seuls. Les humains disent souvent que créer est important pour dans les situations désespérées. On peut dire que c'est le cas actuellement. Bah, je suis contente pour la race des robots, j'imagine. Comment on fait ? Je sais pas où je vais. Ah ! Je m'occupe des plantes. Les humains les ont tellement améliorées. Maintenant, elles n'ont presque plus besoin de lumière. Ah bah tant mieux pour vous. Je les arrose à peine et regarde comme elles poussent. C'est une technologie vraiment incroyable. Alors on a dit retourner voir là-bas. Ouais on était monté par là au début. Oh non. Je dois encore nettoyer l'entrée de ma boutique. Arrête de jouer au-dessus de ma boutique, espèce de petit vaurien. Je me sens totalement coupable. Trocœur, la moitié, les fringues à mémé, programmation, Elliot. Ok. Je cherche toutes sortes de partitions pour jouer. Pour jouer de la guitare et mettre de l'ambiance. Si vous en trouvez, amenez-les-moi, j'habite à côté de l'ascenseur Morusque. À côté de l'ascenseur. Ah oui, le grand ascenseur. Hop, alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh. Reposer en paix humain. Les humains furent les premiers à vivre ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de mourir? Je sais que c'est une sensation, une question idiote de ma part, mais sont-ils vraiment en paix? Dès que t'as trouvé la réponse, B12, tu nous le dis. Est-ce que je trouverai la paix en moi? J'ignore à quoi ressemble la mort pour une IA. Je m'excuse, je ne voulais pas plomber l'ambiance, continuons. Nouveau souvenir découvert. Les morts des IA. On n'en parle pas assez. Non mais let's go. Pourquoi il a pu fonctionner? Oh! Prendre boisson énergétique. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Des fringues à mémé. Oh! J'aime beaucoup le tricot. J'en suis à 770 km de poncho tricoté. Ce qui n'est pas rien. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Si tu me trouves du câble électrique, je pourrais te faire un poncho. Tu m'inspires. Mais trouver les bons matériaux difficiles par ici. Des câbles électriques. Mais moi, je veux un poncho de mémé, quoi.
On peut les rencontrer ou pas? Programmation Elliot. Frappe à la porte, nous ouvrons. Nous ouvrirons. Coucou, c'est moi. Nous fûmes programmés pour être esclaves, mais depuis un certain nombre de jours, nous avons une âme. Pourvu qu'un jour les extérioristes trouvent un moyen de fuir cet enfer, Momo. Ah mais c'est son lit. Excusez-moi. J'envahis un peu l'espace. Ah, bonjour. Oui, je peux t'aider? Je crois pas. Peut-être ça. C'est celui des extérieurs. Ils vivent dans les étages supérieurs de secteur, tu pourrais sûrement. Okay. J'ai rien à lui demander du coup. Elle marche pas sa radio? Ah si, ça y est. Cet arbre est une merveille scientifique. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser des végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil. La vie organique a besoin que les arbres purifient l'air de la vie. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils en prennent soin quand même. Ah bah, merci à eux. Parce que sinon, on pourrait pas être là, quoi. C'est ce qu'auraient voulu les humains. Oh! Oh, papa Tony! Ne serait-ce pas du câble électrique qu'il y a par terre, là? On peut pas du tout le récupérer. J'ai l'impression qu'il y a rien derrière. Hein. Ok, bon bah redescendons. Ah! Oh, une partition. Il y avait une carte postale aussi, mais... Désolée, j'apprends encore à faire mes gammes. Lui, on lui a pas parlé. Elliot est hypochondriaque, il n'en reste plus beaucoup, c'était héréditaire. Si tu veux qu'il retourne au travail, tu as intérêt à lui amener des vêtements, ça le flattera. Ah, très bien. Ouvre-moi Nestor. Merci. C'est pas là qu'on est arrivé, non? Je l'avais laissé dans la rue et le lendemain, les orques avaient tout bouffé. C'est dingue, non? Ils peuvent manger n'importe quoi. Bon par contre je suis arrêtée dans une position un peu chelou là. Il t'arrive toujours des trucs bizarres mec. Je n'ose pas quitter notre village, c'est trop dangereux. En plus le gardien est le seul à pouvoir ouvrir cette porte. Oh. De quelle porte il parle? Végétoneko, il pousse dans le noir, pas besoin de soleil pour aimer la nature. Attends, si seulement j'arrêterais de tuer mes plantes.
Bon, je sais absolument pas où on est. Ah, ben on est revenu ici. On a fait un petit tour. Non, non, on va vers en haut, vers en haut. On va aller voir Momo. Ok, putain. Chaton, je t'aime, mais tu commences à m'énerver. Oh non, c'était un peu trop haut pour lui. Le bordel, forcément. Hop. Et let's go chez Momo. Tu cherches toujours ces carnets inutiles? Non mais attends, celui que j'ai à te montrer c'est de la bombe. Let's go, lui. La plupart du temps, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait, mais il était plein de sagesse. Mais... Je te montre le carnet ? Mais il est fin con, ce robot. Hello ! Mais je te donne le carnet pour que tu puisses Non mais attends, mais il est où? Oh, ça appartenait à Doc, il était vraiment fait électronique. Attends, tu as vraiment trouvé tous les carnets de mes amis? Mais oui! Et c'est quoi cette note? La radio peut être réparée? Mais c'est incroyable! C'est ce que j'essaye de te dire depuis le début. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des taudis? Clémentine Sbaltard, Doc! Je m'excuse d'avoir douté de votre cause. Je vous promets, je trouverai un moyen de remonter à la surface. Allez, let's go, on y va avec toi. Et maintenant, réparons cette radio pourrie. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et voilà, ça marche! Viens avec moi. Je te suis, Momo. Là-haut, tu vois ce petit monde qui dépasse de tous les autres? On verra, ouais. Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient encore être là-bas. S'il y a moyen de sortir, ils sont où c'est? Eh ben, merci. Tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux Zerks. On a besoin de toi, petit extérioriste. Fais-nous monter jusqu'au ciel! Tranquille, Momo. Hein. On n'est pas là dans notre relation. J'y vais, bonne soirée tout le monde, le petit chat, les robots. Des bisous, Lily, Suzy, passe une bonne soirée aussi. Let's go, ça c'est cassé. Merci d'avoir été là. Hop. Allez, c'est parti. J'imagine que c'est le bâtiment là-bas. Les toits. Ah. C'est pas un lieu safe. C'est trop triste. Fais pas genre, pauvre chat. Ah.
Donc on a dit. Dieu. Je pensais pas qu'il viendrait aussi vite là où j'étais. Ok, c'est reparti. En plus, le petit truc qui se casse derrière, on a vraiment l'impression que c'est une vie, quoi. On est passé. Oula. Ok, on s'en est sorti. Attends, je suis hyper concentrée, j'ai pas envie que chaton il meure. Sauf que je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Ok. C'est lui qui est en train de se secouer. La ville est pleine de néons. Ça n'a pas toujours été le cas. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taudis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Ah, un jour, quelqu'un a allumé des lampes arc-en-ciel, des panneaux en néon sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée et on ne l'a jamais revue. Mais les gens ont senti une note d'espoir et peu après ils se sont mis à placer des lampes partout sur la maison. La répression s'est retrouvée puissante, impuissante. Pour les gens c'était une façon de revoir de la couleur comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile. Mais oui, les gens sous-estiment l'impact de l'extérieur sur la santé mentale. Heureux Roxane, t'as bien mangé? Alors, arrive au moment où notre petit chat bien-aimé peut potentiellement mourir. Je te préviens. Petit... Ah, c'était pour donner de l'élan. Trop bien mangé! Oh là. Qu'avez-vous mangé? Let's go! Je pense que c'est tout là-haut ouais, qu'il faut mettre un truc. Pizza maison avec jambon, champignons, ravioles, chèvre et mental. Faut pas qu'il meure le petit chat! Ouais bah je fais ce que je peux. Non c'est pas là qu'on fait. C'est pas là. C'est pas là qu'on veut aller, c'est là. Yes. Ok. Vous êtes prêts? Let's go. Chez! Chez les bidules! Par contre, ils font trop peur, je suis désolée, mais... C'est des tiques suceuses de sang.
Liberlé ? Bah non, en fait. Je suis pas allée dans le bon sens, on dirait. Plutôt par là. Yes, prolonge le brunch avec l'après-midi. Tous les dimanches après-midi. On devrait le faire pop que quand il est en talk et chaud, lui. Putain, mais le bruit qu'ils font, c'est dégueulasse. T'as l'air en effet d'avoir bien mangé, Roxane. J'avoue qu'en général, je suis pas hyper fan des ravioles sur les pizzas. Mais c'est, je pense que c'est parce que c'est industriel et c'est trop salé. Quand ça doit être fait maison, ça doit être vachement bon. On dirait des œufs de trucs chelous. Oui. Ok. Oh wow. Attends, s'il se réveille, je suis pas bien. Hein. Ouais, je vous le dis. Par contre, des robots qui sortent des œufs. On est d'accord que c'est un peu étrange quand même. Attends, la musique. Alors, attendez. On va regarder un peu comment il fait la disposition des lieux. Ah ! Attends, 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 attends. Wouh ! Je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais. Ok. Ah non, je parle de ravioles, pas de raviolis, mais c'est pas pareil. Les ravioles, c'est plus petit. La pâte est plus fine et la garniture, c'est à base de fromage. Oui. Oui, bah, en général, je trouve que c'est vachement salé. Et souvent, dans les trucs tout faits, là, c'est aussi... What the fuck. C'est aussi, en fait, un peu croustillant. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bon, je sens qu'il va falloir aller là-dedans. Non, 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 non! Attends, 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 attends! Je suis un peu embêtée quand même. Salé. Je dois être trop habituée à manger grave salé. Comment je vais faire? Ah oui. Bon. Là, les petites tiques. Je les ai écrasées avec le truc. Attends! Va-t'en, sale tic! Ok, va falloir encore la faire avancer. Apparemment.
Ah, faut pirater. Attends, mais faut faire sortir la porte. Attendez, mais. Putain, mais. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok, peut-être ici, là. Ok. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Je sais pas où il faut que j'aille. À l'aide. Ok. Ok. Et c'est bon. J'ai même pas tué le petit chat. Ah ouais, mais non. Mais pardon ? Non, 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 non ! Dégage ! Non, mais pardon ! Lâchez cet ascenseur ! Bon allez, je vous laisse pour ce soir, des bisous le chat et prenez soin de vous et de vos proches et tout. Bon vie au petit chat, bonne nuit Dreg. Passez une bonne soirée. Let's go. Si, si, place la radio sur cette antenne. Let's go. Regarde ces vues, c'est très beau d'ici. Ça me revient, la ville, elle devait servir d'abri. On dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur. Mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Bah... Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister, je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir Momo, maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Ça me paraît bizarre cette histoire de B12. Bon, on va retourner voir Momo, et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Let's go, la tyrolienne!
Les taudis partie 2. Regarde, une note! Petit extérieur, si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'ai amené du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. Oh non, mais... J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple, c'est... Attention, il est sensible à la casse. On se retrouve au bar, Momo. Ça doit être le code pour la fenêtre à côté de l'entrée. Allons-y. Mais je sais pas où il est, votre bar. J'ai à peu près aucune idée de où est le bar. Vas-y, utilise B12. Je crois que c'était un H. Non, c'est faux. Ok, on recommence. Après, c'était un O ou un D. Ça a marché! Okay. Écoute, Où est le bar? Oh! Est-ce qu'on peut jouer au ballon? Non, 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 non. Je vais aller en bas, moi. Ah, bah, je crois que c'est ça, le bar. Hé, la boule de poil! Viens voir, j'ai réussi à capter un signal! J'arrive. J'ai droit à une caresse. Voyons si je peux faire marcher ce truc. Là. J'ai failli l'avoir. Allô, quelqu'un m'entend? Allô, oui, on t'entend. On vient des taudis, on cherche une sortie. Et... Attends, c'est toi ce Baltazar? Momo? C'est incroyable, je suis trop contente d'entendre le son de ta voix, ce Baltazar. Où es-tu? Les autres vont bien? Oui, j'ai trouvé comment se montrer. Allô? Tu m'entends toujours? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver! Très dangereux, Zurk partout! Ok. Les égouts? Comment ça? Allô? Bon sang, on a perdu le signal. J'y crois pas, ce Baltazar est en vie. Avec les autres extérioristes, ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Mais si ce Baltazar l'a fait, il doit y avoir un moyen! Ouais. Pas obligé de tout le temps risquer sa vie, hein. Vous ne passerez jamais par les égouts, c'est infesté de Zurks. Il ne ferait qu'une bouchée de vous, et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finit toujours mal. Wow, 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 wow. Je viens de me battre contre une armée de Zurks. Enfin, je vous aurais prévenu, et puis c'est pas mes oignons. Toi, t'es pessimiste, hein. Faut y croire à la vie. Pfff, Simus. Son père, Doc, était un grand scientifique qui travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les Zurks. Il y a quelques années, il est allé tester cet appareil et n'est jamais revenu. Depuis, Simus n'a plus jamais été le même. Ah, mais Doc, c'est pas un des potes qui sont passés de l'autre côté? Je doute pas que Simus, il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. Dans son carnet, Doc évoque un labo et à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. C'est peut-être un indice dans le département de Simus. Allez, suis-moi. Ok. On est à 3 secondes depuis le dernier point de sauvegarde. On va reprendre. Non, c'est bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller chercher l'arbre. L'arme. Une autre fois. Et voilà. Ouf. Voilà, voilà.
Bon, le jeu est très sympa. Le jeu est très sympa, mais c'est quand même un bon couloir. Après, l'histoire est prenante, donc je trouve que c'est pas gênant. On fera la suite la semaine prochaine. Alors, ça dépendra du jour de stream sur la paix. Mais ce sera cool. Je pense qu'on va le finir ce jeu tranquillement. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accompagné. Je vous souhaite, moi, de mon côté, une bonne soirée. Reposez-vous bien. Et puis, à demain sur ma chaîne. Pour demain matin sur ma chaîne. Des bisous! Ciao, ciao!